Lucas, parce que dans le souci, on va aller pour nous passer. Je dis à non, Premier ministre Rab. Dis non, Bruno. Bonjour, Sandley. Moi, salut au moins. Et moi, salut toute équipe là. Salut les auditeurs. Bon, son honneur pour moi que mon processus interne que PHTK a fait, parce qu'on est pas membre. PHTK, nous sommes proches, soulevé mouvement. Il y a eu à peu près 20 ans pour garder comme gardien ministre. Bon, privé dans le processus interne côté. Il y a 4 noms et il y a un nom là, c'est moi-même avec Michel Auriol, Liné Baldassar, avec Patrick Laura. Bon, moi-même, je suis très, très honoré. Est-ce que bon, je vais être sous l'islam, mais pour bon, moi-même, je dis directement, il y a des gens qui sont sous l'islam, c'est où tu es là, qui est sous terrain, hein, qui s'approuvent pendant 22 mois et 4 tours d'élection pour garantir que PHTK a gagné dans l'élection pour AZEC, KAZEC, magistrat, député, sénateur et président. Donc, moi, j'ai des endroits, moi-même, moi, parce que l'autre côté, que j'ai utilisé, il y a plus bien que la position. Ça, mais, moi, très honoré d'être que, non, moi, c'est l'islam. Bon. Okay. Et son sorte de, ça, avec un peu d'humilité, m'a dit ça, bon, son reconnaissance de travail que j'ai fait depuis 30 ans. Je toujours reconnaître à l'étranger, mais il n'y a pas facilement reconnaître la carrière. Donc, là, moi-même, ça, 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 me sentit honoré. J'aime que mon la carrière, moi, reconnaître le travail. Bon. Et, c'est né. Allô? On parle. Oui, ma couteau. Oui. Et le yo choisou là comme mon capable premier ministre, ou décliné ou bien ou accepté off là? Non, le son lisse. Non, même dit qu'il doit décliner. Madame Saldia. Moi dit est-ce qu'on décliné? Bon me dit vous. Au Serge Jean-Baptiste Mandé, là ou non sur liste là comme premier ministre, est-ce qu'on décliné choix ou bien ou accepté ou accepté choix ou obtenir? Non, moi-même, réaction à la direction partie et tout l'autre monde, yo, moi, je suis très honoré de voir ça que vous faites. Mais il y a des gens qui sont islam, c'est au tap pour mettre sur le terrain pendant 22 mois pour l'élection. Hein. Donc, c'est eux-mêmes pour vous regarder. Moi-même, moi, je dis vraiment, il y a l'autre côté que mon cas, il y a bien pas pour ça pour le moment. Ok. Mais ça ne peut pas se connaître parce que, dans le monde, est-ce que légalement, vous êtes occupé pour ce ça? Bon, moi, c'est certain que, bon, mon gars fait réflexion, il fait conspiration, ça, et tout. Donc, moi-même, position, pas me l'éclair. Et moi-même, parce que, quelqu'un qui est sous distance, c'est autant pour moi, pendant 22 mois. Le PHT, quand t'as passé dans tous les aigus, t'as passé misé. C'est eux-mêmes qui t'es gourmets pour garantir que PHT, non seulement mon gars, m'en partia, mon projet de vie, m'en partia. Donc, mon gars, c'est eux pour t'en garder, mais pour le moment, moi-même, la position que j'ai là, pour le moment. Parce que il y a l'autre côté qui m'a utilisé le pays plus que dans la position. Pendant parler de l'autre côté qui a utilisé le pays, comment est le groupe de Boudon? Est-ce qu'elle a utilisé le pays ou bien l'a déchappé le pays? On parle. Parce que la position a toujours été le même sur la question ça. Et alors, pour dire capitaine de radio, on va essayer de faire un petit comprendre. Pour un pays qui est sous la misère, on a ensemble de bagailles qu'on doit faire. Une bagaille qu'on doit faire, c'est participation tout secteur dans la société dans le développement économique du pays. Par exemple, l'État a ramassé taxes, malgré les jours, on dit classe dans même. L'État a ramassé classe dans la classe moyenne, l'État prend plus d'argent que sous malgré les jours. Il prend plus ou moins moyenne sous classe moyenne. Mais c'est les messieurs qui ont l'argent, pour l'argent, l'État prend pile sous eux. C'est l'État qui dans mes malheureux, on dit en plus dans mes classes moyennes et en pile dans mes mondes qui appellent l'argent. C'est ça qui va permettre l'État de construire route, payer emploi et l'État, que ce soit pour policiers, docteur qui l'hôpital, infirmière et mettre infrastructure, payer construire l'hôpital. Donc c'est le système ça. Mais c'est pas seulement dans mes mondes l'État prend l'argent, mais l'État crée un environnement pour le développement économique. Ça veut dire tout investir. Il y a par exemple la Chine là, ils se sont retirés 600 millions de monde dans la misère en 20 ans avec investissement étranger. Donc, ils sont gardés dans le pays par rapport à groupe de Boudon et groupe Blackout. Groupe de Boudon, ils ont fait à peu près 1 milliard 350 millions de dollars américains par an, le 32 nègres séparés. 32 familles. Non, et non pays d'un coup. Vous pouvez répéter les chiffres là pour payer, attendez. Ok.
Monsieur Coupe de Boudon, yo, yo fait 1,350 milliards de dollars américains par année. OK? Quand on paye tant pour les États-Unis, c'est ce que ça vous dit, c'est que vous font l'État d'avoir au moins 450 millions de dollars américains de taxes dans 1,350 millions. Dans le pays d'Haïti, dès que ça a l'entrée dans la contribution, il n'y a pas 20 millions de dollars américains. Donc là, il n'y a pas payé de taxes que vous avez payé l'État. Qui côté l'État va jouer de l'argent pour construire, pour mettre l'hôpital, pour construire l'école pour le peuple là, pour financer l'agriculture, pour accompagner le pays dans le problème. Les 15 cyclones qui sont prêts à nous perdre 3 milliards de dollars américains là, dans pour Mathieu. L'État a besoin d'intervenir pour malheureux que le cyclone crase les actes. Ça, l'agent, ça, l'État a besoin d'intervenir. Monsieur, ça, ça, pour l'État, tu es payé, il n'y a pas payé. Pour moi-même, nous sommes capitalistes que moi, ça veut dire que moi, dans le marché libre, et le système capitaliste, là, côté des marchés libres, plus on fait l'argent, c'est plus on paye les taxes. L'autre groupe de Boudon, contribution que vous devez payer à l'État. Ou qu'à bon, Stanley, qu'on est comme ça mieux. Quand mon grand membre comme échantillon dans groupe de Boudon, c'est ton grand nom dans 32 ans. Pour pays. Pour pays. Oh, et Carl Bouane, Edouard Bousson, c'est groupe de Boudon. Ok. Après ça, nous. Ma petite fin de parler, après ça, pour nous descendre. Ok, dans Unibank. Après ça, nous allons descendre dans le groupe Blackout qui fait créer. Ok. Et donc, ça veut dire que moi-même, c'est capitalisme. Si vous regardez l'argent, par exemple, on est dans Bill Gates. On est dans Warren Buffett ici aux États-Unis. Mais c'est milliardaire que vous voyez. Mm-hmm. Et M. Milliardaire, ça a tellement investi, il a payé l'État. Dès que ça a créé à peu près des 5 milliardaires et il a créé à peu près 1500 millionnaires aux États-Unis. Sans compter, il y a des centaines de milliers de jobs ici aux États-Unis. Vous prenez pas nous, qui ça a créé? Notre axe moyenne, combien de groupes de boudin ont fait 8 millionnaires dans le pays d'Haïti? Zéro. Combien malheureux qui n'est que vous faites sortir la misère qui vous fait monter dans la classe moyenne. Zéro. Au contraire, où est la classe moyenne à affaibli, et puis malheureux, tellement malheureux par des mouvements, ça a l'étranger qui est malheureux obligé à quitter pour aller chercher des bouquets. Pour pas qu'un bon système économique néo-féodal comme ça, et avec un système de monopole, cap calé misère dans le pays. Moi-même, n'est-ce que toujours comprendre que j'ai un problème avec vous. Moi-même, pas un problème avec vous. Le rôle que vous devez jouer dans la société à pour jouer, ça veut dire que vous devez créer du travail. L'argent que vous devez payer l'État, qui pouvait mettre l'État à remplir obligation, il faut que vous remplissez obligation ça. Et puis culture de monopole qui existe. Il n'y a pas aucun économie qui marche sur le monopole, c'est sur la compétition économique. Donc moi-même, tout le monde ne peut pas avoir une compétition économique. Et pas de roulement dans la rue, amen. Des compétitions économiques qui fait roulement. Imaginons Morin, nous non pays, on paye misère. Pendant que nous avons misère, nous voyons un cadeau, fait cadeau à l'étranger 3 milliards de dollars américains chaque année. Nous importons pour 4 milliards, 500 millions chaque année. Allez-y, nous voulons acheter à l'étranger pour 4 milliards, 500 millions. Nous-mêmes, nous exportons seulement pour 1 milliard 200 millions. C'est-à-dire bien, nous exportons. Ça veut dire que nous avons un déficit au niveau de la balance commerciale de 3 milliards chaque année. Avec que dans 4 milliards 500 millions que nous importons là-dedans, il y a à peu près 2 milliards là-dedans, c'est Saint-Domingue que nous voulons acheter marchandises. Il traverse sous frontières. Ça veut dire que nous avons financé l'économie dominicaine. Donc, tous les autres, il y a sous son nez qui est un pays, au lieu d'acheter l'autre bord de l'Ogouvine, il y a une série de produits dans le pays d'Haïti avec ce que nous gagnons, qui veut travailler là, il y a à peu près 70% dans sa nouvelle acheter à l'étranger qui nous a fait dans le pays d'Haïti. Pour ça n'est que pas investir dans la production nationale. Pour ça n'est qu'à acheter à l'étranger revenu pour appauvrir le pays qui joue 3 milliards de dollars américains qu'il pague chaque année. Discussion sérieuse, ça, il n'y a pas de monde qui veut faire dans le pays parce qu'il y a des LGN. Et puis, bon, il y a des gens qui ont arrêté, bon, ils ont investi dans la production nationale. C'est vrai, on va l'obliger à faire plus. J'ai fait travailler plus. Bon, ça les grands paquets, nous, des fois, on dit que on ne peut pas être trop tête calée. Bon, mon bas, Zouza. Bon, même comme son bagage, même pas mon bagage, c'est quand même proche de Jovenel Moïse. Non, je dis au premier ministre, à Boussoulis. Je dis au listé. Non, mais je dis à Stanley Deglinet. Ou à M. Mettez-nous, Stanley. Il est nominé. Mais le Deglinet.
Il décline. Non, même si ça, on a dit que le mine est toujours. Donc, dans toute démocratie, nous venons aux États-Unis, on a trois options de fond. Ou cas républicain, ou cas démocrate, ou bien cas indépendant. Même l'or républicain, en débat républicain, il y a quatre franges. De nec qui très libéral, McCain, jusqu'à nec qui très néoconservateur. L'ordre dans le parti démocrate, il y a cinq broches en débat démocrate. De monde qui est dans l'extrême gauche, tant que Bernie Sanders, à monde qui est plus ou moins conservateur, tant que sénateur Bill Nelson qui est Florida. En même temps, tout, il y a un indépendant. Moi-même, dans l'échiquier politique haïtien, je toujours dit dans toute radio, au niveau idéologique, je ne suis pas un populiste, c'est centre droit que je suis. En tant que centre droit, nous sommes qui sont dans le marché libre. Moi, dans un système de défense solide pour défendre la souveraineté nationale. Non. Moi, je suis une série de bagailles en fonction de ça que je suis là. Donc, moi-même, dans le mouvement politique qui vient dans le pays d'Haïti, c'est sûr qu'on sait des gens que je suis proche, qu'on sait des gens que je suis à l'aise avec eux. Par exemple, moi-même, je ne suis pas socialiste, je suis très à l'aise avec les gens qui sont en fusion, les gens qui sont en OPL, parce qu'ils ont une culture démocratique là, ils ont plus ou moins des visions, même si ils n'ont pas d'accord avec eux, mais ils ont une substance économique et sociale qui dépend. Ou à faire débat avec eux pour jouer dans le consensus. Par exemple, je dis à moi admirer Sauveur Pierre Etienne, il perd une élection, il paye des missions, il n'a pas dit à. Ne me dis pas. Ok, où est mes thèmes en pile? Ne me dis pas que parce que Sauveur, est-ce que Sauveur rejoint nous au niveau du PHCK ou bien ça qui passe? Absolument non, mon cher. Non, pas de problème. Non, il faut me poser une question, Sandy. Négla à l'élection, par exemple, aux États-Unis. Les républicains à l'élection avec le candidat à la présidence, Bob Dole. Bob Dole perdit, ils ont mis monsieur de côté à tout le monde qui n'a pas dit, ils ont mis à mon tout neuf. Ils ont mis avec John McCain comme candidat à la présidence. Ils ont mis le de côté parce qu'il perdit, ils ont mis à mon tout neuf. Après ça, Mitt Romney perdit. Ils ont mis le de côté, ils ont mis à mon tout neuf. Ils ont mis à Donald Trump, c'est même bagarre dans la partie démocrate là. Ils ont vini avec Al Gore, ils ont passé, ils ont mis le de côté. Après ça, ils ont mis avec John Kerry comme candidat à la présidence. Je mette de côté, je viens à Obama. Obama fait deux mandats, bel bagaille. Il y a eu avec Hillary Clinton. Hillary Clinton perdit parce qu'il y a quelqu'un qui mette de côté. C'est même ça, il y a une élection dans la partie démocrate. Là, je viens avec mon tout neuf. Regardez par exemple, la petite Dessaline, famille Lavalas, là, qui fait l'élection. Où est-ce que vous faites séminaire pour qui ça fait l'élection? Où est-ce qu'il y a une élection pour vous? Bon, besoin, question. Bon, ok, très intéressant. Ça dit très important. Bon, pose une question, parce qu'on est, là on a parlé, et moi, mais il se passe très ouvert pour répondre à toute question. Et si vous êtes d'accord, je vais parler avant tout. Vous connaissez. Est-ce qu'on gagne quelque part pour famille Lavalas? On parle. Absolument non. Au contraire, dans tout séminaire, que je vais même expliquer l'origine du problème que Jean-Bertrand expliqué avec moi, nous sommes qui honnêtes, mais transparents, pour vous dire, bah, ok. Je vais faire séminaire pour parti politique dans le pays d'Haïti. Il y a 52 partis politiques. Leader, 4 secondaires avec Bazio qui participait dans ces séminaire. Laisse-moi dans ta dispose. Non, Iri. Ok, ok. Alors, on est venu vers appel là. Dans ce séminaire, nous avons à peu près 23 modules de formation. Ça veut dire que, mais qui sont doués qu'on est pour faire un parti politique fonctionner bien. Ça veut dire que, là, nous avons formé les gens, nous formons les gens, mais qui sont doués qu'on est en tant que parti politique pour faire propre sondage. Ok? Mais qui sont doués qu'on est pour faire sondage, mais qui sont doués qu'on est pour faire focus group, mais qui sont en dedans, on passe politique, on met une stratégie de communication politique interne pour que les dirigeants partis aient parlé avec les gens qui sont responsables départementales, les gens qui sont responsables dans la commune, dans la section communale, là, donc structure de communication politique interne partis, mais qui sont doués organiser, structure de communication politique externe, ça veut dire qu'ils doivent parler dans la radio, parler dans la télévision, ou écrire sur le journal. Bien, l'on besoin de servir à toutes nouvelles technologies de l'information, tant que Twitter, Facebook, Instagram, website, et chat room, mailing list, mais ça doit connaître pour faire le bien. L'on a fait une convention pour un parti politique, etc. Donc, tout le monde a ça, c'est un séminaire. Ça. Problème avec Aristide, son séminaire que nous avons organisé dans une petite grave là. Donc, nous invitons les représentants de toutes parties politiques dans la zone Tigouave et dans 12 sections communales Tigouave. Monsieur Lavalas, malgré Aristide Debaillot, pour nous ne pas aller, vous devez venir dans le séminaire. Mais nous avons un séminaire à bon et vous avez un pile, malgré Aristide Debaillot,
moun yo continue participer. Mais ça va créer problème là. Et m'a expliquer ça va créer problème là qui fait monsieur vinn des problème et avec programme là. Nous avons un module que nous couvrons, mais qui s'attire pour un parti politique fort au niveau de démocratie interne. Nous expliquons que tout parti politique qui existe à travers le monde, il y a un parti politique qui fait élection chaque 2 ans, il y a un fait chaque 3 ans, il y a un fait chaque 4 ans, il y a un fait chaque 5 ans. Mais les partis après cette élection, pour choisir le monde qui est président ou secrétaire général là, le monde qui n'a pas parti au niveau départemental, municipal, c'est délégué qui sont dans toute section communale, commune et département, yo, qui en deux parties viennent voter pour choisir mon taille. Pour y avoir, Aristide Tal font une réunion la Kali pour aller nommer des gens dans la partie. Jeune qui ont participé dans ce séminaire qui est dans la famille Lavala, je dis, et c'est pas comme ça que vous faites. Je dis, nest comment? Je dis, il faut que c'est six familles qui sont délégué six familles qui sont dans la section communale, dans la commune et dans le département, yo, c'est eux qui ont venu voter pour dire qui est qui pour notre parti, qui est qui pour le directeur départemental. Nous m'avons dit, monsieur, côté nous apprendre ça. Nous disons que c'est mineur qui se fait l'affaire. Depuis les femmes, c'est un problème. Parce que j'en ai mis des statuts parti à l'article 20, 29 et 32, pour mettre à regarder des statuts comme il a valé ça. L'IFE de Jean-Bertrand Aristide, mon représentant à vie de famille Lavala, qui est contraire à la Constitution, qui est contraire à la loi sur les partis politiques, et qui est contraire à l'esprit du 7 février 86, côté nous dit à vie dans le pays d'Haïti au niveau politique, son bail qui finit. Donc, soit regarder les statuts comme il a valé ça, 29 et 32, l'IFE n'est qui représente un national là. Représentant à vie, c'est deux gens seulement qu'on a changé. C'est s'il mourit, ou bien lui-même lui désigne un successeur. Par contre, moi-même, son équipe travaille à 6000 partis politiques à travers le monde, et un parti politique qui constate qu'on ne parle pas démocratique, et lui a un impact négatif sur le processus démocratique. Ça veut dire, ou pas gagne aucun problème, ou pas gagne aucun problème personnel à Jean-Bertrand ici, ça? Absolument non. Au contraire, avant l'élection, et dans l'analyse que j'ai fait, débat net famille Lavalassio, on consultation gratuite, trouvé dans la radio de Lavalas qui dérive dans la diaspora, si famille Lavalas dit les gains élections qui sont bagailles que ça doit faire. Mais est-ce que 5 balles là ou 5 bons principes de tout cœur débali? Parce que je connais ou bien ou t'es proche PHTK. Si vous avez gagné dans 5 principes là, vous avez un problème. Bon bagaille. Même les proches et non mouvance politique. Et tout autant que parti politique n'est pas solide et n'est pas fonctionné démocratiquement, il n'y a pas mal aucun côté. Parce que base démocratie, c'est les partis politiques qui sont les acteurs politiques. Si parti politique n'est pas solide, les lui veulent en deux pouvoir, il n'est pas solide. Si parti politique n'a pas bonne vision, les lui veulent en deux pouvoir, il n'y a pas un plan pour appliquer. Si parti politique n'a pas des structures, et en deux structures, ça, ou une commission économique, commission sociale, commission politique, c'est monde ça a les grands pouvoirs capable d'appliquer vision économique politique partia les grands pouvoirs jurer. Donc moi-même quel que soit parti politique dans le pays d'Haïti, plus lui structuré, plus lui démocratique, plus lui bon pour le pays. Donc moi-même si me font analyse pour au niveau technique par exemple pour ça Aristide gagne en 1990 c'est parce que un c'est une coalition solide, c'est un groupe 57, c'est un FNCD, c'est un KID, c'est un CONACOM, c'est un Petit l'Église Bio, c'est un mouvement de base, il y a un père de la théologie de la libération, c'est un parti dans presque l'accompagné. À l'analyser la coalition, deuxième bagage qui fait le bien en 90, c'est le message. Il y a un message clair. Justice, transparence, participation. Parce que c'est une coalition, parce que c'est un message clair, il y a des gens qui ont l'argent, comme Gladys Lauture, Monobusio, les Cols qui viennent voter l'argent dans Aristide, malgré que c'est un argent parce qu'Aristide a gagné l'élection. Pour ils ont fait en 2015-2017. Pour même raison, yo, l'autre coalition en 2017, c'est Marise avec Aristide. C'est la théologie de la libération qui était monsieur depuis à faire pétition. Journaliste qui était monsieur depuis à faire pétition. On dit à faire pétition, ça veut dire. De près, il y a une implication, il faut dire. D'accord, au rapport de droits humains, là. Non, c'est le qu'on avait moi parlé, il faut dire. Bien, donc, de vous garder le rapport de droits humains, yo, et à regarder l'être, et secrétaire général et sous les plateformes haïtiennes de droits humains, Chenel Jean-Baptiste, est publié dans le Nouvel. Il dit clairement qui est-ce qui touille Pétigeon. Et pas moi-même qui dit non, c'est une secte dans l'enterrement Pétigeon qui dit ça. Donc, elle dit que Pétigeon, l'église, la galerie, depuis après Pétigeon. On passe dans la presse, la game, monsieur, depuis là, avec Jean-Dominique Briol Lindor, avec Jacques Roche. Où il y a, au niveau de la société civile, dans l'affaire étudiant, université, etc., on passe dans l'étudiant, la game.
pour y aller l'on ou est base qui était de la valace là qui s'accrivait, eh bien, qui soit constaté. Et René Préval prend 8% avec vérité unité. Maurice Jean-Charles avec Petit Dessalines prend 10% dans la valace là. Jean-Henri Séan avec René Haïti prend 5%. Et Yvon Neptune avec Haïti pour Haïti prend 3%. José Lise avec Ensemble Nous Fort prend 2%. Woody Rivaux avec Confiance prend l'autre 2%. Kim Cristallin avec l'avenir pour 3%, même juste Célestin dans la paix pour 2%. C'est ça que M. là. Je pas de coalition. En matière de message, je pas de message. En général, après l'élection, l'on partit une belle direction. Vous connaissez statistiquement, vous faites un plaisir. Ou fait un plaisir statistiquement, genre avec ce qui est 2%. Ou prendre pour pays, il y a son objet à la somme. Ok, bon, Et avec ce qui est dans la base de la valeur, qui était à l'impé au final, et la presse la guerre du Dieu, société civile la guerre du Dieu, mouvement paysan, papa, parce que ça nous le quartier général, la guerre. Non, là, sous la guerre, non, ça l'est, Mme Kapoula. C'est pas ça, c'est la preuve, là, elle boule. Sous la guerre, preuve, Mme Kito avance. Plutôt avance, ça nous le fait. Ou bien preuve? Ok, ma. Ma voyez rapport de droit du mec. Voyez le boum. Debout, voyez le moins ma malaise. Vous connaissez pas ma dans sa main. Pour y a nos bases qui étaient là. René Préval, vérité, unité, on 6 ou 7% là-dedans. Ok? Ça fait numéro 1. Et Petit Dessalines, à peu près 10, que des mondes disent 11%. Ok? René Haïti de Jean-Ricéen pour 5%. Et ils vont les finir avec Haïti pour Haïti pour 2%. José Lys avec nous, ensemble nous faut prendre 2-3%. Woody Erivo avec Confiance prend 2%. Et Yves Cristallin avec l'avenir prend 2%. Ça veut dire que ça, monsieur, vivre et découvrir à combattre par en pile. Vous pouvez nous appeler nous là. Et sans compter, on fait des mouvements sur les quartiers populaires, yo, ça, de temps en temps, il a changé. Vous pouvez nous appeler nous là. Dans le mouvement, il y a des côtés à aller, il y a des côtés à aller. Vous pouvez nous appeler nous là. Et où est ça, les privés montés sous pouvoir, mon parti, qui quitte monsieur, ça rejoint nous. Donc, ça veut dire qu'en matière de coalition va exister. Maintenant, en matière de message, en 2017, 2015-2017, c'était quoi le message? Pas de message économique, pas de message social, pas de message politique. L'autre candidat, Tomien, Marise, dit que plus faible que Mme Clinton. Un candidat qui était dès que c'est prêt là après. Donc, ça veut dire que si la valade voulait gagner un pouvoir, je ne le dis pas, demain matin, il y a un ensemble de réformes que vous faites, même si vous faites à partir républicain et partie démocrate, que vous faites 10 élections. Premier bagage que vous faites, il faut faire un séminaire pour qui ça vous perdu. Vous voyez, j'ai une raison technique qui fait vous perdu. Est-ce que c'est coalition? Est-ce que c'est message qui va se passer? Est-ce que c'est candidat qui vous avez gagné qui t'est fait? Est-ce que c'est pas bien coup? Point tout détail ça. Deuxième bagage que vous faites, vous allez regarder que si statut parti a adapté aux réalités de 2017. Et puis, troisième bagage là, faire élection pour un nouveau leadership tout neuf. Si on fait trois bagailles, ça y est, il y a une chance pour gagner l'élection. Mais en même temps, tout, si on ne veut pas faire changement, ça y est, qui ça va le faire? On va le courir, faire opposition à Jovenel Moïse, c'est pour qu'on même des gouvernements, non? Opposition à qui ça? Mais pour opposer l'opposition, c'est pour une grande raison. C'est pour base parti, il y a des gens qui ont 6 familles, des délégués 6 familles, pas faire réflexion qui m'ont dit faire opérer. Parce que soit le faire exercice pour qui ça va opérer, il y a ces messages de choucage à l'histoire. Qui vont mauvais impact sur la population, qui mouquent avec des soukages, vous l'écrasez, brisé. Ou pas l'ouest des déclarations, Chilel Louis d'Or, avec Gérald Gilles, au lieu de chita sur le message économique pour la population, si je ne pas retirer mon misère, si je ne les machines, écrasez, brisé, bah, ça y est. Donc, ne pas faire exercice ça. Parce que si on fait exercice interne, ça, pour que ça vous perdit, automatiquement, mon qui n'a pas à la salle pour l'élection, même si on fait à travers le monde, pour venir avec un leadership tout neuf. Souvent, le leadership souvent, pour rien faire opposition. Mais opposition, quoi faire? Il va pas pour faire opposition tout bon, non? C'est pour vous et pour ce qu'il y a dans le monde, pour vous ne pas avoir, c'est vous-même qui faites opérer l'élection. Bon. Pour faire l'exercice technique, il y a. Ok. Stanley Lucas, qui l'a vu, M. de Wins? On parle. Bon, moi-même, Lucas, demain matin, et ça veut dire que. Non, parce que, où on s'est passé, ça dérange. Non. À ce moment-là, l'exercice, quand même. Comment ils sont là? Sur l'autre exercice. Hein? Non, ça avec Kama et Gmiri. Non. Parce que moi, je dis qu'il y a un téléphone, parce que c'est sous Pam, non? Oui, ça sont l'autre exercice. Non. Ok, Kama. On va dans l'exercice. Bon, répondre à la bonne question. Je vais te dire, Stanley Lucas. Deux niveaux. Premier niveau, c'est que
comment nous y est? Nous 4,200,000 Haïtiens qui vivent dans 32 pays à travers le monde. Quatre millions deux cent mille Haïtiens qui vivent dans 32 pays sous la terre. Donc, raison qui et selon la Banque mondiale là, 80% Haïtiens qui compétents, qui ont des qualifications spécifiques, c'est pas dans un pays à Haïti, c'est deux pays. Je sais. La Banque mondiale fait montrer ça. N'a pas regardé. Allez, ça veut dire que nous-mêmes qui dehors, c'est pas vrai, nous voulons dehors. Au contraire, nous avons mais en dedans pays, il y a une bonne contribution nous dans le secteur privé. Parce que on fait des Haïtiens bon, ici amène dans le domaine économique, dans le domaine business opportunities, mais ils ont tout bon, femmes dans vos garçons. Et il y a des gens tout. Ma plutôt avancé, il y a deux questions pour vous. Et puis moi, mes frères Chizou pour vous. Bon, qui doit finir ça. On parle. Ça veut dire qu'en dedans l'État, ça veut dire dans le Parlement, il y a besoin de mon travail. Oh, à Balbissé, ça passe là. Yeah, dans le pouvoir judiciaire. Avec dit que l'État démocrate couvre, l'État fort couvre, vous besoin 80% et c'est ça qui arrive à l'étranger. Mais le problème qui arrive, on est qui fait sortir dans l'université ici aux États-Unis. Minimum quoi, c'est qui ça? C'est 7,500-8,000 dollars américains par mois. Et pour que ça ait les 401k, avec dit que plan de retraite, tout, avec dit 8% de salaire, vous mettez chaque mois son compte pour vous. Ou les ou pas travailler encore ou gagner l'argent ça ou l'assurer l'hôpital aide de l'assurer ou gagner assurance santé ou gagner assurance comme si sous mourir et au moins on 300 à 1 million de dollars ou 3 millions de dollars et madame ou à famille après ce mois pour la stabilité de l'emploi. Pour aujourd'hui dans le pays d'Haïti j'affecte privé et c'est ça que secteur privé monopole là son gros problème. Allez dire que les gains compétition économique ou même qui gagne qualification c'est choisir ou choisir pour tout aller oui. Dans le pays d'Haïti, pas de ça non, mais. Pas de ça non, mais. Allez dire, un jeune garçon qui lève le matin, étant donné que la politique économique, diaspora, pas de diaspora qui l'autre voit en matière d'offre dans le pays d'Haïti, moi-même, d'après imaginer qui ça que l'État ici a fait pour rapatrier toutes les ressources humaines. Moi, je veux un mécanisme, mais nous, comme je parler de lui matin, de lui pour tout mettre. Oui, en même temps, tout. L'on crée une opportunité économique. Mais qui a la vie à t'adouer l'économie et l'état marché bien. Avec dit que pour son jeune cité solaire, ou son jeune volant, ou son jeune. Oui. Et dit que l'on saute dans le baccalauréat, mon société normale, oui. Et pour montrer qui côté nous y est pour qu'on comprenne qui est une société normale là, marché. L'on dans le baccalauréat, de pour dans la zone et troisième, seconde, retour, silo, il y a des petits travails qu'on fait dans la société, dans le business privé. Vous avez des qualifications, non? Mais vous avez des travails part-time qui commencent au fond de tout. L'entrée à l'université, pendant qu'on est à l'université, vous avez un travail pour faire. Vous avez un diplômé, vous avez un salaire, le premier job. Premier job, vous commencez à dégager parce que pendant que vous dégagez, il faut payer l'argent pour vous prêter. Parce que si vous prêtez, vous prêtez l'argent pour payer l'université pour aller. Donc, et parce que l'économie a fonctionné, immédiatement, pour sortir de l'université, pour avoir un premier job, ce n'est pas un système bancaire anarcho-populiste que nous avons là, non? Parce qu'on est dans le courant, ou bien jeune qui est dans l'université, de vous sortir pour vous travailler. À cause de travail, ça, si vous êtes jeune de 22 ans, 23 ans, vous êtes un bon diplôme et vous travaillez, on dit vous touchez, bon, on s'en met une goutte par mois. À cause de ça, vous avez aller à une banque pour tout prendre. Donc, le valet doit acheter pour un appartement. Un dit appartement coûte entre 40 et 80 000 dollars. Donc, le acheter pour vous, papier appartement, retenez dans le banque. Donc, le prêtez l'argent pour acheter appartement à un taux d'intérêt de 3%, mais on va le payer sur une période de 30 ans. Ça veut dire qu'en tant que jeune qui fait commencer à travailler à 23 ans, vous gagnez appartement par vous. Et, sous 100 000 gouttes, on dit que chaque mois, on 10 000 gouttes qu'on mettait de côté pour payer l'appartement, et puis pour quitter 90 000 gouttes pour occuper l'autre bagage pour occuper. Dans le pays d'Haïti, qui banque va l'acheter un appartement pour un jeune de 23 ans? Non. Sans les lui qui a banque pas prêté, Brunet. Parce que nous dénoncez eux, on est dans le mourir. Ça veut dire que si l'économie a marché dans le pays d'Haïti, pour choquer là le matin, pour importance que chose a gagné,
beaucoup sont nés qui t'a fait entre 400 et 500 000 dollars américains. Non, c'est clair. Minimum pour t'a fait. C'est clair. Et pour base là, on est en Goumourin, soldat mon caille qui vaut à peu près 1,5 million de dollars américains sous base à l'État. Donc, ça veut dire que sous base chaud ça a couru chaque matin, hein, et sous base salaire que chaud ça a dû générer, faut que l'on la banque, la banque n'a pas de problème à son caille 1 million 500 000 dollars américains à un taux d'intérêt fixe de 3% sous 30 ans, chaque mois, bah, on un morceau jusqu'au taux financier caille. N'importe quoi, ça peut prêter mourir l'argent. Donc, ça veut dire que ça montre tout blocage économique qui vient dans la société, parce que mon conseil des mondes d'affaires politiques qui ont un manque de vision par rapport à plan économique, plan social, genre, normalement, que la société a dû fonctionner là. Stanley Lucas, soit dit à tellement et juste, où on est mal dans la maison de la place, mal acheté un auto. Je dis, tout va être normal. Je dis par rapport à la critique que j'ai envers la bourgeoisie, ça, groupe de boudons. Vous pouvez expliquer le blackout là, non? Vous pouvez expliquer le pays. Hein? Je dis que c'est le crédit, le conseil du crédit qui réunit illico dit faut canceler et approuver de l'âme de gagner. Hein? Le canceler. Oh, Soit dit là, il n'y a pas seulement des victimes de balles là. Bon, moi-même, en 2013, Goupe de Boudon était monté au créneau, les nègres qu'on aime balancer dans le cabinet ministériel là à l'époque. Et les ça va marcher devant l'autorité politique au Port-au-Prince. Les nègres viennent faire un montage à Washington pour essayer d'écraser les bagages là. Donc moi-même, soit dit là, je connais parce que les nègres parlent de la société à moderniser ou transformer. Moi-même, pour les nègres, moi-même, ouais, philosophie PAM, en tant que nègre qui croit dans le marché libre, pour que les gens l'argent, c'est plus l'argent, mais pour payer taxes. Pour que les 4 mois. Qui ça partit de taxes pour payer à vivre lui-même? Il faut que les gens qui ont 4 mois viennent vivre bourgeois. Pour que les gens qui malheureux, il faut qu'ils montent dans 4 mois pour demain matin vivre bourgeois. Mais il faut créer une société qui a une opportunité économique, ça, mais avec culture de monopole que les gens ont. Non seulement les gens ont un monopole dans la section, dans le secteur économique, mais ils ont un monopole politique. Ils ont un. Regardez Jean-Jovenel Moïse, c'est notre Moïse. Ah, ben c'est celle de lui qui a pas d'arriver là. Hein? Ah, mon Dieu. Ben c'est pas d'arriver là. On va aller. Regardez, c'est notre Moïse qui dit Jovenel Moïse, parce que Jovenel Moïse, non, c'est ça, il a parlé de production nationale. Non, ça va passer. Ça va passer. C'est assez révolte. On a tout. Parce que nous sommes revendeurs. C'est les Lucas. Les gens qui bourrent des Jovenel. C'est revendeur, oui. C'est revendeur. Jovenel pour un bar revendeur. Souvent, entre Miragouane, pour aller faire production tomate, pour qu'on factory qui a produit pas de tomate, pour vous vendre pas de tomate, pour qu'on va faire plus de travail. Souvent, investir dans la capacité de production nationale. Si jeune qui dans la rue a caché son job, pour que madame ni manger, ou bien pour que mari manger. Monsieur, vous m'avez ma vie semaine ça à mourir, vous m'avez de l'eau dans le gémen. Nous avons à peu près 5000 soeurs afrètes, nous, qui sont sous frontière entre Mexique et les États-Unis. Ah, bah, c'est attention. 60% là-dedans, yo. M'a regardé sous canal, ça, bah, c'est attention. Ah, mon cher, c'est femme qui vient d'être Simone en 2 ans et 8 ans. Imaginez au moins, une femme sous construction communale pays d'Haïti, lui passer au moins 7 ou 8 pays de l'Amérique latine pour arriver sous frontière Mexico et les États-Unis. Sous un qui est à Mounsaouye, bon, moi-même, mobilisé à peu près 60 avocats américains qui ont service gratuit pour encadrer. Moi-même, à quelques mounes dans la diaspora, nous faisons trouver traduction anglais, créole anglais pour essayer de défendre droit, etc. Mais longtemps des témoignages Mounsaouye, les marques de traduction, c'est pas pour moi, glou dans GMO. Donc, c'est pour monter des n'importe où, prince, n'est-ce pas bêtisé, n'est-ce pas joué. Alors que vous avez des problèmes urgents que le pays a gagné. Il y a un balai de ça, Stanley. Je dis à la police immigration américaine à chercher tout le monde net qui est coulé noir, coulé pas, et l'autre monde. Dans la rue, dans la market, proposer une question de papier. Au lieu que vous avez chité dans le carnaval, je dis à Stanley, pour qui ça, Jovenel Moïse, papa s'instruction, à chancelier haïtien, ministre des Affaires étrangères, pour dégager, rentrer en contact rapide. À secrétaire d'État américain, pour je non, au mot du soberandi. Non, c'est pas pour ça. Non, moi, je pense que le premier bail qui doit faire, c'est que le ministre démissionnaire, le ministre de Vienne,
Moi-même, excusez-moi, c'était une baille. C'est l'armée qui soit fait soldat dominicain. Oui, au sein de ça. Ah non, au sein de ça. Je ne sais pas, oui. Non, mais, salut, Lucas. Salut, attendez. Mais c'est lui qui gagne. Non, il ne va pas sortir normal. Il y a une édite de l'émission. Mais c'est monsieur qui l'a en poste. Nous sommes obligés d'utiliser Pion là. Non, ça va d'où c'est que ça café. Ça café, que même bon mon exemple, c'est un petit café qui va aller dépenser l'argent là-dedans et pour aider. Pour aider, monsieur, c'est que monsieur a demandé, nous avons à peu près 6 consulats aux États-Unis et nous avons 2 missions aux États-Unis. Et 2 missions, 6 consulats avec mon ambassade. Mm-hmm. Il n'y a pas d'argent, monsieur, c'est demandé ambassade que nous avons aux États-Unis avec 6 consulats. Entrer en contact avec l'association des avocats haïtiens américains qui existe aux États-Unis, qui spécialise dans l'immigration. Mm-hmm. L'association, ça a tant pris, mettez à la disposition du consulat et ambassadeur à peu près 300 avocats haïtiens américains. Mm-hmm. Est-ce que vous travaillez à peu près 6 heures de temps par semaine pour encadrer le peuple là? Mm-hmm. Il y a un problème pour les frontières mexicaines. Automatiquement, vous venez joindre 300 avocats haïtiano-américains qui voulaient bon service gratis. Par exemple, vous prenez une centaine pour voyer pour 3 sous et sous frontière à Mexique américain. Vous ne pouvez pas dépenser comme. Mais pour vous dire, vous ne pouvez pas faire tout. Vous ne dépenser comme pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Premier bagage, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller les American Airlines, vous pouvez aller les jets. Et le gouvernement haïtien permet de nous faire l'argent là, mais que nous rendons le gouvernement haïtien au service. Nous avons un ensemble d'avocats haïtiens américains qui disent que sous frontière Mexique et les États-Unis, est-ce qu'on a besoin nous tant de tickets gratis pour nous-mêmes qui allons aider? Qui a fait le rapide? Et deuxième bagage pour faire, c'est toujours sans dépenser l'argent. L'on philosophie l'État ou fait des peuples, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième bagage pour faire, les gens de Marriott. Nous disons, monsieur, nous quittons Marriott, nous vivons en Haïti, ça fait business, ça fait comme dans le pays. Mm-hmm. Est-ce que nous avons moins de 50 000 hôtels pour avocats ou mettre 2 ou 3 avocats vacants et puis vous dites que pendant telle période, nous avons besoin de 50 000 hôtels ou 100 000 hôtels. Mm-hmm. Même si nous n'avons pas 100 000, il a 60. Déjà, mm-hmm. Allez, dit que vous faites toute opération, ça, on va dépenser son bout en tant que l'État. Mais pour continuer à vous faire. Mais vous parlez qui vraiment, excusez-moi, révoltez-moi, moi, des liens pas fort, et comme si vous. Non, monsieur, c'est un peu bête. Ça a énervé, même. Bon, Stanley, je vais vous poser même deux questions pour rapidement. Est-ce que moi-même et Franchisou, il y a deux questions qui sont très importantes que je gagne en tête, mais auditoire là, vous voyez tout. Est-ce que de près ou de loin, femme ou pas impliqué dans le massacre Jean-Abel là? Absolument non. Papa me son nègre, bon, vous allez vérifier. Et papa me son nègre, il fait carrière dans le développement international. On est qui fait 40 ans, pardon, avec l'agence américaine pour le développement international USAID. Okay. Et c'est là que je prends retraite. Et maman, nous sommes moun qui passe toute ville, il va vivre en Haïti. Donc, tout les bagages que moun y a parlé, on l'a dit, c'est tonton, on l'a dit, c'est pas bon, on l'a dit, c'est grand papa. Parce que quand il a dit, c'est pas bon, il fait ma sac. C'est ça m'a touché. Et bon, technique à Nakota, peuple a rejeté le 20 novembre. Et le 29 janvier. Mm. Vous songez, si nous demandons si ça a nos vidéos, vous songez à faire des rats qui te dit avion dans la terre, jardin banane, et Jovenel Moïse, tout journaliste Port-au-Prince, journaliste au Cap de Monté, à l'inspecteur jardin, il n'y a aucun côté, il n'y a aucun jardin qui a avion dans la terre. Est-ce que des rats te disent excusez dans la radio Port-au-Prince? Absolument. N'est-ce pas d'accord, vous ne pouvez pas d'accord avec vous, vous ne pouvez pas d'accord. Vous faites massacre. Et vous avez un passeport étranger, vous faites cadre déjà sous forme, vous voler l'argent l'État, une bonne accusation campée. Et peuple a beaucoup à ça, et c'est pour ça que peuple a baillé pour vous sur Canet, 20 novembre et 29 janvier. Pour que vous révisez stratégie de communication politique, je vous dis à venir avec des bails sérieux, vision économique, vision sociale, et là vous voulez attaquer mon monde, son bagage vous venez avec mon document. Mais c'est un accord, vous avez échoué dans l'élection, peut-être vous faites 5 ans, vous avez dit, vous avez besoin. Ok. Deuxième question, M. Sandé, est-ce que de près ou de loin, vous contribuez dans la révocation plusieurs personnes dans l'ambassade d'Haïti à Washington? Bien.
Pourquoi on est ma privé là, moi? Même des vieux de la à l'époque. À l'époque, bon, c'est une équipe paniquée. On a mis tout là. Et bon, même quand même, c'est pour son équipe monde qui est au pouvoir. On a paniqué. Bon, premier bail, il y a tout. C'est pas ça, il y a des vignes avant, non? Premier bail, il y a tout. On a conduit machine d'ambassade à Washington. Je me conduis machine de l'État dans la vie. Voir mon dal grand machine bagaille même son aide. Et depuis 20 ans, il est chauffeur dans Washington, machine privée qui est liée. Tout le monde connaît tout côté malais, c'est toujours chauffeur malais, toujours même les privés. Moi j'ai la diaspora à vous. Par contre, côté malais, depuis 20 ans, il est chauffeur. On va voir chaque l'État, Stanley. On chaque ambassadeur. Non, posez mon question. Non, vous connaissez, pendant qu'on a parlé, on tout répond tout. Donc, après ça, on vient. Moi, qui parle dans le budget ministère que le Parlement a voté. Ok. C'est mon bureau nom. Ça veut dire que l'ombre personnel du ministère des Affaires étrangères, il y a à peu près 45% plus de monde à voter chaque année. Ok. Au départ, ça est le premier bagage là. Deuxième bagage là, l'ombre diplomatie, 60% de monde qui l'a dans pas qualifié pour faire le travail qu'il a besoin. Parce que l'ombre diplomate, qui sont pour représenter le pays à l'étranger, pour aller chercher opportunité économique pour créer du travail dans le pays. Par exemple, monsieur Chinois, à cause de monde qui vient l'argent à l'étranger, qui vient investir dans le pays, il a retiré 500 millions de misère en 20 ans. Alors, si que monsieur Anapo, qui ça a fait? Pas de problème, non, mais l'homme qui vient pour faire le consul, même. Cuisinier ne va pas parler créole, il ne va pas parler français, il ne va pas parler anglais, il ne va pas parler espagnol, il ne va pas structure économique, sociale et politique pays que vous mettez là, qui je vais le défendre intérêt peuple haïtien. Ok. Donc moi-même, si c'est pour évoquer le monde, il y a des gens qui doivent avancer pour évoquer, mais on se bagaille pour qu'on doit dire, au niveau légal, nos ministères sont grand monde qui ont autorité de révocation et de nomination. C'est le ministre. Okay. Donc si mon nom dit m'évoquer, si nous envoyons l'aide là-haut pour montrer qui pose des questions, les cartes et signées, etc., bagaille qui l'évoquait. Okay. Deuxième question qu'on posait après chèque là. Et moi, je compte à bien. Non, je ne sais pas. Non, pas loué. Vous connaissez ça que vous présentez, ça en bagaille. Et c'est pour ça à l'aise. Ou même pas j'en ai mis, ou même son qui est voir par le chalet, que c'est la démocratie. Et le président Matéli monté, et vous connaissez que son spécialiste en développement politique. Le président d'Abraham en campagne, et avant même qu'il était candidat à la présidence, et candidat, et il m'a dit, mon cher, on a un problème à l'ISAO, est-ce qu'on a dit, bon, mon coup de main pour gérer, soulever la campagne électorale? Bon, il me dit, monsieur, dans le contexte que nous avons ici aux États-Unis, par rapport au paquet de bagages que j'ai fait, et par rapport à une série de réalités internes, je n'ai pas qu'à faire pour mais je n'ai pas un coup de main. Je suis bon coup de main, mais en même temps, tout ma bon monde qui compte travailler avec moi. Effectivement, nous venons de chanter aujourd'hui. Mais les gens qui compte travailler avec moi comme assistant, qui compte aider moi, qui compte travailler avec ma paix, il y a un assistant qui spécialise dans la question ça, un nouveau monsieur, Alba, un coup de main, etc. Ou bien, même si on aide à travers le monde, les maps travaillent, par exemple, si le président d'Afghanistan, il est dans le monde, il va venir de là pour mon coup de main. On paye les gens pour Afghanistan. Je demande 80 000 dollars américains par mois. Ou bien, il y a un Nigeria qui a voulu. Je demande 150 000 dollars américains par mois. Ou bien, si son candidat à la présidence qui a fait campagne dans l'autre pays, ou bien, il y a un président qui voulait une Nigeria campagne. Donc, moi-même, je charge 50 000 dollars américains par mois, sous gain élection, bon prime de 1 million de dollars sous gain élection. C'est son hedge fund qui a voulu. Ça veut dire, il y a un monde qui a occupé gros mouvement d'argent et qui a géré et sous les retirements et bagages. Si son hedge fund m'a pris 150 000 dollars américains par mois, et bagaille qui m'a réglé pour voir si lui ici pour bon 3 millions. Oui, les voulait amater les président. Ok, mais il y a des gens qui ont dit, ah, pour qu'il m'a ça. Moi, je dis, monsieur, pays d'Haïti qui a gagné l'argent pour nous payer, et il m'a payé moins fort que c'est entre 80 et 50 000 dollars américains par mois pour nous payer. Bon, moi-même, comme moi-même,
et ce pays moi on connaît pays à barrer là on pas faire nous ça et pour nous bon pour question administrative bagage ça pour nous bon mon contribution de 5 dollars pour nous occuper affaire administrative. OK, ça moi sous chèque là on va avancer n'est d'accord à principe là pour nous on sait de haïtien capri l'ombre on dit haïtien ça les haïtiens t'a payé à la cause 20 millions de dollars américains par mois il dit compétent passé à la cause 20 pas dedans hein. Mais Aristide a payé Brian Concanon 1 million de dollars américains par mois. Mm-hmm. Et rapport là, n'est-ce pas dedans. Hein? Mais les fonds haïtiens qui sont plus compétents face à blanc, n'est-ce pas trouvé son problème. Même pas comprendre mon problème. On va toucher, mon. On s'en non, même pas toucher, mais son contribution. Je suis dit que Aracos Ben touché 1 million de dollars américains, aucun document. Voyez-moi après ça. Même des documents. Je vais vous dire que vous avez un téléphone. Vous avez un téléphone. Vous avez 5 000 dollars, s'en est. Non, mon cher, même si on est conscient, c'est de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est un pays. Là, vous parlez du professionnel. Regardez, Stanley, c'est de même. C'est de même. Moi, mon partenariat avec RCH, on me paie un dollar américain. Elle dit, le professionnel n'a pas rien en stade. Non, là. Vous avez dit, et parce que vous c'est normal. Non, mais même pas faire l'esprit touché. Vous faites l'esprit, c'est pays. Moi, je ne vais pas en continuer. Ni pour le compétence, mais faut payer d'abîme 400 000 dollars américains. Pas moi, payer une bague moyenne. Ça vous dit bon, faut me faire une contribution. Parce que c'est pas même pour moi. Même pour moi, j'ai un épaule d'abdi. Ça oui, j'ai un épaule de gadi. Au lieu de 80 000, au coulant, on va en 5 000. Bon, et puis bon, voilà, même bon, il y a des barres de dénarration. N'a aidé, n'a fait des marches pour payer, etc. Ou est-ce que dépenser près de 200 000 dollars américains dans votre point qui personne. Finalement, de rembourser, n'est pas le vite l'État, ma volé, bon, il va y faire. Bon, vous savez, c'est pas grave, il va pas l'idée, par exemple, JetBlue, Goé, qui vient en Haïti, première réunion qui fait à JetBlue, et moi-même qui fais lui. J'étais à 5 vice-présidents exécutifs JetBlue, je dis, monsieur, comme nous sommes compagnies qui a bon marché, diaspora, nous avons un ticket qui a bon marché, nous avons un que nous venons dans le pays d'Haïti, président, m'a demandé si ça arrête ça, donc c'est pour ça que j'étais avec nous là, qui s'en a fait. Mais je suis à devant moi, mais je dis bon, 24 bagages pour nous faire. Si nous faisons bagages, ça y est, nous sommes venus en Haïti. Une bagage, c'est des réparations de l'aéroport, mon standard de l'aéroport a dégagé. Pour y avoir, l'aime fin bail, les chefs là, message là, pour y avoir, nous mettons dossier à bail pour le général. Nous mettons dossier à bail pour le général New York là, qui fait suivi, pour nous amener nous là. Téléphone. Et même côté à président, lui-même, lui bail, l'autre des bagages, il fait qui peut être. Okay. Pendant ma période, c'est 687 millions de dollars américains d'investissement direct dans le pays. Et nous avons tout entreprise. Voyez-vous, ça n'est pas moi. Bon, ça n'est plus qu'à. On allait rapidement parce que je ne suis pas en billet. On allait rapidement parce que je ne suis pas en pour qu'on ne nous pas même être développé. Et au terrain, moi, je me dis que ça fait plusieurs fois que je me fais un faux bon. Et je n'ai pas question ni de la valeur, ni de paillage, ni de ma coûte. L'émission d'aujourd'hui en parler il pas pour personne et comment on pas comprendre ni on pas comprendre comment non, mais il y a des monde qui pensent qu'il y a des en droit. Ah non le perdu maintenant on est là tout le temps on est là pas gagner en droit là rien comment comprendre et on pas comprendre très mal les misères que je venais la passer et pour choisir un premier ministre là pendant que majorité dans parlement pendant que majorité amène. Absolument non, pour deux raisons fondamentales. Et première raison, c'est que nos points de vue économiques pour 2017 là, sont années à balle difficile économiquement et socialement. Sous le rapport Banque mondiale publié dans le mois de janvier, il y a une croissance économique là, à négatif pour 2017. Pour retirer mon ami dans le pays d'Haïti, nous avons une croissance qui est de 7 et 20%. Donc pour les jeunes qui devaient copier le rapport, rapport Banque mondiale là, il y a un cas sur compte. À Obaz dans l'éducat 01 ou bien à commercial dans l'éducat 01 ou bien sous page Facebook qui publie qui est photo on met avec un drapeau haïtien de l'obligé sous la carte. Deuxième bagaille là, vous avez perdu 3 milliards de dollars américains dans le cyclone Mathieu. N'importe jeune qui besoin un rapport 115 pages là qui montre, par exemple, dans le domaine du tourisme, vous avez perdu à peu près 60-70 millions de dollars américains. Dans le domaine des arbres fruitiers, et nous perdons à peu près 118 millions de dollars américains. Donc, l'agriculture, globalement, nous perdons 800 millions de dollars américains. À cause de cyclone Mathieu, qui fait nous perdre 3 milliards de dollars américains,
Goudlan vient d'en perdu 27% de valeur. Imaginons, Goudlan perdu 27% de valeur. Inflation déjà à 14,5%. Avec le problème qui est Venezuela là, ou bien doit aller bon matin Petro-Caribe à camper. Donc ça veut dire qu'au niveau économique, on ne parle même pas de phénomène El Niño à cause de ces sécheresses qu'elles ont causées pendant 6 mois, qui mettaient à peu près 5,6 millions de paysans dans la misère. Mon Tibet là, qui n'a pas tout centralisé dans la Tibonie, qui a mangé production pétinienne, ils vont épargner économique sous peuple là. Donc, allez dire, souvent, soit on premier ministre, ça c'est le premier paramètre là pour considérer. Qui monde comme premier ministre qui a une capacité, un, pour comprendre la situation économique là, deux, qui compte qui gens pour gérer, tant que le monde qui a battu pour faire bien pour faire résultat, trois, étant donné qu'il n'y a pas de résultat interne, parce que taxes qu'on ramasse, il représente à peu près 65 et 70 milliards de gouttes pour un budget de 121 milliards. Donc, ça veut dire que, étant donné qu'il n'y a pas de ressources internes pour répondre à besoin de peuple, comment le premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Confédération, pour restructurer l'aide internationale, là, pour le moyen que l'État a besoin pour répondre à besoin de peuple, là, c'est la première considération, le premier ministre. Deuxième considération, tout président qui montait toujours pour moi pour choisir premier ministre. Et Jocelyne Privé était monté le 14 février 2016. C'est juste le 15 mars, oui, que Jocelyne Privé va choisir. Non, mais là, Stanley, on va voir Jovenel Moïse, président de la République, il est allé trop vite en besoin. Il a dit ça immédiatement, il monte sous pouvoir. Au lendemain, il a proposé ministre. Ça m'a vu tout ça. René Préval est monté le 14 mai 2006, c'est juste le 9 juin, il a choisi premier ministre. Donc, là, on prend 20 premiers ministres qui passent dans le pays. Un général président qui vous prend entre 25 et 36 pour choisir premier ministre. Jovenel Moïse monté le 7 février, je dis à moi, 21-22 que nous y est, nous n'avons pas pile de temps, nous vous voulons en moi. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, pour que monsieur qui parle en anapo populiste, qui pendant qu'on parle dans des délits dans les institutions, pour un bon, qui consulte les partis qui permettent de gagner l'élection, et pour l'autre bon, pour consulter 5 groupes qui sont dans la Chambre des députés, hein, et 3 groupes pour le Sénat, et la démocratie semi-parlementaire. C'est bon bagage qui est facile. C'est divinité, son bagage qui prend temps pour dialoguer avec chaque groupe pour construire consensus. C'est pour ça que la démocratie est something messy en anglais. On a fait tout là. C'est un bon processus normal. Je ne suis pas en retard, je suis en retard. 12, 13, 14, ça a négocié. Si c'était bon moi qui passait beaucoup par un, mais là, il est dans le temps par rapport à tous les présidents qui ont choisi le premier ministre depuis 1988 à nos jours. Et l'offre de tout président qui passe. Les premiers ministres et qui étaient passés, et pardon, 19 qui étaient passés, Youn qui était à et puis il y a 8 que Parlement est rejeté, dans 8 que Parlement est rejeté, pour gagner Hervé Denis avec Éric Pierre, qui là, Parlement est rejeté deux fois, pour gagner Robert Manuel, pour gagner Fritz Jean, et Basson j'ai l'autre de noyau, mais pour jeunes qui ont besoin de tableau, ça un tableau pour jeunes qui ont fait études, pour jeunes qui ont fait recherche, ou bien thèse sur ça, si jeunes ont besoin de tableau, de tout premier ministre qui était passé à date, moi, mettez le pouille sous compte Twitter à Omar Saint-Lélucas 01 ou bien à commercial Saint-Lélucas 01 ou bien sous page Facebook nous, qui publie. Parce que moi-même, nous toujours, même Jean-Marc Morin, nous toujours présenter côté académique là pour que les jeunes qui apprennent nos bagages dans sa maîtrise, dans sa présentation. Sandé, nous remercions. Et pour aller là, et puis, nous ne pouvons pas critiquer maintenant. Parce que finalement, moi, non, mais. Non, mais pour rien. Moi-même, ça m'espère pour Anissa, après une année économiquement très difficile. Avec dit que, debout son autorité, l'État, avec dit qu'on a parlement, qu'on a exécutif là, et demande sociale et demande économique, yo, en pile, son situation économique est difficile, en pile. Donc, moi-même, je pense que, au niveau d'autorité, l'État, yo, yo pas gagner en pile, j'ai pour yo faire, pour yo gérer l'État, tant qu'on n'a pas de pour faire, mais, en même temps, tout, moi, je souhaitais que vous restructurez l'aide internationale là. Mais en même temps, tout, l'autorité de l'État, ça veut dire qu'il n'a pas le mandat, qu'il n'a pas le pouvoir exécutif là. Faut au chita à nek qui n'a secteur privé, nek qui n'a groupe Black Out, nek qui n'a groupe. Bon, de gain, non. Après, groupe de Boudon, bon, de gain, non, groupe Black Out là, non. Avant aller. Bon, groupe Black Out là, conseil de nek qui volait 200 centrales thermiques. Que l'État a construit avec des milliards de gouttes. L'État a construit par eux un qui
gagne 24 MW. L'État construit VAOE 2, 26 MW. VAOE 1 avec VAOE 2 qui coûte nous des milliards de gouttes. Mes amis, Stanley. Pourquoi prendre son? Ma bande à auditeur, ma peuple haïtien. Bien tendez goût blackout là. Parce que comme ça, sous du valet, c'est cop tax papa. Cop tax maman, cop tax moi qui construit. Vous pouvez nous trouver. On parle. Ok. Allez-y, on m'a dit chita dans la ria qui n'a marché. Ou même qui sont professeurs ou bien qui sont chauffés tap tap là, captandé dans tap tap pour y'a ou bien dans taxi pour y'a. Ou même qui chita dans la ria qui gonti radio dans oreille ou cap coûté. L'État ramasse taxe sous nous toutes. À l'agent taxaïo, qui représente des milliards de gouttes, l'État construit deux centrales thermiques pour bailler l'électricité. Yon qui est le VAOE 1 qui vient 24 MW, yon qui est le VAOE 2 qui vient 26 MW. VAOE 1 à VAOE 2 constitue 50 MW. Sans l'État par vente, on joue maton levé, VAOE 1 et VAOE 2 tournent compagnie privée. Non seulement VAOE 1 et VAOE 2 tournent compagnie privée, mais l'État signe un contrat pour 557 millions de dollars américains. L'argent pétro-caribé, et 163 millions en gaz pour l'hectare. Gaz là, il y a le revenu Saint-Domingue, parce que le gaz affiché Saint-Domingue, pour les 557 millions, il y a des droits de peuple là, l'électricité. Il y a des droits de l'ambo, l'os, Delmas 2, et Matissan, Fontamara, Saint-Hélène, Saint-Hélène. Et quelque part côté, il y a des droits de l'électricité. Saint-Hélène, et pour les Saint-Hélène et la prière. Pour y a l'État ou Nengiou, malgré au grand problème, il n'y a pas d'électricité. L'État vient pour une série de contrats qu'il mettait pour calculer combien d'électricité que Nengiou baille peuple à chaque mois. Nengiou crasé contre eux. Pour y a l'État à travers une première ministre, non seulement a insisté pour remettre contre eux, mais pour négocier prix kilowatt là. Parce que ça, Nengiou fait l'État payer en matière de prix pour le kilowatt. Les trois fois presque plus cher que les régions en net Amérique latine et la Caraïbe. Qui ça n'est pas? Oui, parce que Bordeaux n'est pas la Caraïbe, Stanley Lucas, c'est coupé coup. C'est ça. Donc, ça veut dire que les premiers ministres, ça n'a pas laissé faire réforme, non? N'est-ce pas? 20 millions dans la RIA, ils mettent la paix. L'on fait comparaison, nous-mêmes, nous avons. Où est-ce que vous avez dit pour Stanley Lucas qui est premier ministre? La gueule. La mode que manger. La mode à peu près 20-30 millions que vous mettez. Pour y a l'État a demandé une réforme, parce que bon bon bagaille. Nous-mêmes, nous avons à peu près 1000 MW qui coûte nous à peu près qui coûte nous presque 800 millions de dollars américains. C'est-à-dire que ces domaines-là, il y a 3000 MW qui coûte nous à peu près 400 millions. Vous avez une différence là. Donc, je veux dire, l'organe des budgets de l'État, de côté que l'État fait plus gros déficit budgétaire chaque année, c'est gasoline que l'État finance pour avec diesel ou même comme peuple. Allez-y, ou même dans la rue qui n'a pas tap, chaque fois qu'on achète un gallon de gasoline, il y a 78 gouttes là-dedans, l'État paye pour vous. Par contre, ça non, mais c'est sa réalité à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le premier côté que l'État fait déficit budgétaire, c'est dans gasoline avec diesel produit pétrolier. Deuxième côté que l'État fait déficit budgétaire, parce que les René Préval fait contrat à Negio, René Préval à Negio, ça a eu l'aide de crédit, Negio va même passer par le ministère des Finances, Negio a directement dans la Banque Centrale. Automatiquement, je dis ça là, automatiquement, comme il a débloqué chaque mois. Que je courant, que je bagage courant. Donc, ça veut dire que même le ministre des Finances, le ministre des Travaux Publics, qui a une autorité constitutionnelle, et c'est pour ça. Tout ministre des Finances toujours prend un gros saisissement. Côté autre saisissement, ministre des Finances, bon gens, et c'est une raison, conseil des nègres qui étaient des impétentiels là. Ministre des Finances, il bon monde qui a fait calcul pour garantir qu'il était dans le marge là. Et puis, ministre des Finances, bon, pendant le Géria, il connaît le bon, dans le mois de septembre, ministre connaît bon, bon, et puis, subitement, ministre a gardé, il y a un déficit à monter juste. Pour qui ça? Parce que l'aide de crédit qui prévalent par Negio, Negio va même passer par financière, touché directement dans votre central. Canon des autres. Donc, allez-y, ça, mon cher, où est-ce que ça y a? Il y a fait clair, 50 000 fois. Allez-y, où on t'a parlé là? Il y a des nègres là qui ont des problèmes. Mon cher, là-bas, ça va avoir un problème avec moi. Mais ceux qui ont des problèmes avec eux, c'est M. Sayo.
qui traite le pays à tant esclave moderne et qui a pesé sous ses sans peuple qui pas voulu ba chaque monde opportunité économique et il a pesé sous ses sans l'éducation pas voulu il pas voulu ouais me dit non moi-même mon cher je m'a dénoncé chaque matin. Ouais, mais pour nous, nous dire que dénoncer. Non, parce que bon, premièrement, quand il y a un premièrement, le travail que je fais, non seulement je dénoncer, même dit peuple là, il faut qu'il connaît que chaque matin, l'aile levée depuis le 28, ouais, février 6 pour le 28, automatiquement, compagnie Sogener, toute compagnie qu'on est, il parle, toute, il n'y a pas de BRH, il a levé plusieurs millions de dollars à faire autre chose, pendant ce temps, il n'y a pas de courant, et il n'y a pas de courant. Moi-même, son est clair. On parle. Nous avons un problème, il y a un petit gros problème. Parce que pour faire développement économique, il faut parler des infrastructures. C'est clair. Pas qu'à faire développement économique sans infrastructures. Mm-hmm. Vous voulez faire tourisme, vous pas qu'à faire sans infrastructures. Vous faites agro-industrie, vous pas qu'à faire sans infrastructures. Et là, on parle de infrastructures, il y a un premier bagage pour garder l'énergie. L'énergie. Mm-hmm. Donc, là, on parle d'énergie, mm-hmm. Bon ensemble de bagages pour garder. Et par exemple, vous pouvez nous consommer 22 millions et pardon, 13 ou 14 millions, pas un chiffre là, dans même à chercher le goût. Bon nombre de millions de barils de pétrole que nous pouvons consommer par mois. Nous sommes pays qui ne font pas de gasoline, nous ne font pas de diesel. Donc ça veut dire qu'il faut payer à bon politique énergétique, ça veut dire. Pour nous réduire la consommation de l'énergie, il faut nous avoir une politique énergétique. Ça veut dire que les machines que le pays a complétées, je dis. Avec des machines 4, machines 6, machines 8 cylindres qu'on a commandé, faut nous commander des machines modernes qui vont nous à peu près minimum 60 km au galon au lieu que compagnie de véhicules yo a commandé des machines qui fait entre 17 et 21 km au galon. Un pays qui pas produit pétrole ou pas qu'a quitté compagnie automobile yo a commandé ou bien la douane pas doué quitter avec qui nous avons ensemble de mesures qu'on met en place pour que les machines qui là pour retirer sur le marché pendant 12 ans qu'à venir. Pendant qu'on a un politique pour retirer sur le marché parce qu'il y a pour gaspiller gasoline et diesel, ou bien une nouvelle politique pour dire tout le monde qui a commandé des machines, l'État pas quitter une machine rentrer la douane si la machine n'a pas fait au minimum 40 km au galon. Ou pas quitter rentrer dans le pays. Mm-hmm. Parce que nous sommes un pays qui n'a pas produit gasoline, qui n'a pas produit diesel. En matière de politique énergétique, pour garder ce domaine. Comment nèg yo pour 3000 MW qui yo gagne nèg sa yo c'est 400 millions qui yo dépensé pour 3000 MW là nous même nous dépensons plus pour 1000 nous dépensons deux fois plus pour 1000 MW non donc, parce que pas nous c'est pas raquette pas volé c'est ça ça veut dire que pour nous si nous aimons le pays c'est pas seulement montrer parce que vrai nèg qui gagne pouvoir dans le pays d'Haïti. C'est pas un nèg qui vient officiellement fonction pouvoir. Non, nèg ça pas rien. Et nèg qui caché en général. Mm-hmm. Et c'est pour ça que Jovenel Moïse représente un danger pour série des monde qui veut qu'il y ait monopole. Monsieur son nèg qui était dans le business, monsieur comme qui j'ai business fonctionné, monsieur gain moyen et outils en main pour réformer l'État en faveur peuple là. C'est pour ça que nous ouais conseil de nèg cap relé sous râler ficelle sous affaire premier ministre. C'est tout bagaille ça quand je l'ai parce que c'est pas président qui signe tout bagaille ça c'est premier ministre qui signe pour réforme et après que chaque fois mon premier ministre qui veut faire réforme mais yo pété ciel li yo la bon 20 millions dans l'aria machine boulée c'est écrasé et puis mon ta boulé a il pas connu qui ça l'a réglé vraiment non c'est mon qui dit a pas comme là pour ça qu'a réglé dans boulé a donc nous même c'est pour ça moi pense que cette discussion ça nous fait matin hein une discussion d'éducation peuple là pour peuple là comprendre que dans le système politique que nous gagnons, bonjour pour nous travailler avec députés et sénateurs, et nous travailler avec l'exécutif là. Par exemple, année ça, une réforme qui est importante, c'est la réforme du secteur énergétique. Si je nous parle réformer le secteur énergie, et on l'autre bagaille pour nous parler. Même si les Chinois ont retiré 500 millions de misère, et le gouvernement chinois a retiré 500 millions de misère en 20 ans, nous-mêmes, quelle réflexion que nous devons faire entre nous, pour attirer des investissements dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans le secteur énergétique, dans une série de secteurs, et pour manquer de stabilité politique là, pour investissement ça revenir. Parce que dès que vous voulez ça, vous classez vite machine là. Vous parlez sous télévision l'autre bord de l'eau. Vous qui avez mettre un petit l'argent dans le plateau central. Vous qui avez investi dans le nord, pour dans le département, pour dans le plateau central. Vous qui avez investi dans l'autre pays, parce que vous n'avez pas prêté dans nous. Donc, je vous dis, il y a réflexion sur le développement économique du pays.
Et pour ça, moi-même, je pense que je souhaite une bonne chance à mon président va le choisir comme premier ministre. Moi, je dis tout le monde, moi, pas là-dedans. Moi-même, de l'autre côté, je suis allé tout le pays à bien. Je suis très honoré que vous mettez dans l'islam comme premier ministre. Pour moi-même, et valet qui est là-dedans, c'est qu'au moins, il y a une société qui reconnaît valet nous comme nous avons travaillé sur le terrain depuis 25-30 ans. Mais même, je retire le nom là-dedans. Je dis que de l'autre côté, je suis allé le pays à. En dedans ou bien dehors l'État, parce que les foyers dans l'État quand même. Moi-même, c'est en dedans ou dehors l'État. Moi-même, c'est en dedans ou bien dehors l'État. Donc, mais, je dis tout le monde, année 2017, là, on prend tout chiffre économique, il va pas nous année facile du tout. Et c'est pour ça même qu'on est, moi-même, rêve, c'est que, depuis que sénateur, et que réel. Parce que, bon, ben, quand passé là, depuis 1990, chaque fois qu'on élection, il y a moins 1% de parlementaires qui tournent dans le Parlement. Démocratie nous a marché, c'est l'organe des parlementaires qui a fait 2, 3, 4, 5, 6 mandats pour dire ça parce qu'ils ont délivré pour circonscription des départements que vous sortez. Donc, rêve-moi, c'est que moi, des parlementaires dans la prochaine élection qui réélu, mais pour les réélu, mon technique de travail pour développer avec pouvoir exécutif, pour que mon minimum. Qui... Sans que vous n'ayez pas de corruption à bourgeois. Sans que vous n'ayez pas de corruption à pouvoir exécutif là. Ah, merci, papi. Exactement ça. Comment pour collaborer avec l'exécutif en tant que parlementaire pour que dans la circonscription côté sortie, bon minimum qui atterri pour le peuple là. Dans le département côté sortie, bon minimum qui atterri pour le peuple là. Les mandats ont fini. Le peuple a eu un débat qui atterri à cause du travail qu'on fait. On va sénater encore, on va députer encore. Merci, Sonny. Il y a des sénateurs et des députés côté, ils ont repris le mandat, ça veut dire que la démocratie a une bonne direction. Merci, Sonny. Ah, mon cher, moi je vous remercie. Et puis nous espérons que nous qui partons de apprendre le bagage. Pour les jeunes qui veulent continuer la discussion avec nous, nous sur Twitter, adresse Twitter nous c'est @standelica01 et @standelica01. Ou bien nous sur par Facebook, moi, vous pouvez soulever après photo en main qui ferme avec un drapeau haïtien, de vous cliquer sur like pour avoir accès à toute documentation. Bon Dieu, bénis nous, que bien l'amour et à tous les collègues. Pour même tout.